Bonjour tout le monde. Alors, je vous annonce que la voiture ne roulera pas à cause d'une personne. De lui. Parce que ça fait 4 jours qu'il est sur le train avant. Donc. Il y a du WISFAB, il y a de la suspension, il y a du radiateur, de l'échangeur, enfin bref, il y a plein de trucs. Donc on change toutes ces vieilles pièces qui n'étaient pas du tout usées, qui n'avaient pas du tout de jeu, par du tout neuf. Regardez. C'est beau là, tout est neuf. Crémaillère tout neuf. Putain, c'est avec ça on peut pas aller. Approcher d'autres voitures, je comprends pas. Radiateur d'huile en place. La crémaillère était un peu sucée quand même. Bon, les moyeux, soi-disant, ils avaient un peu de jeu aussi. On va mettre un coup de propre là, par là. C'est pas dit qu'il n'y ait pas du neuf. Je dis rien, hein. Mais peut-être qu'il y aura du neuf. Même ça, c'est neuf. Tout neuf, l'auto. Qu'est-ce qu'il y a? T'as cassé quoi encore? Surveille. Bon les gars là qui fabriquaient des pièces là. Non mais c'est bon. C'est bon? Ouais, une fois serré. Eh ben j'ai rien dit, ok? J'allais vous engueuler. Kit de braquage. Buté. Ça va être pas mal là. Commencez à avoir de l'angle. Ouais, continue. Bon, alors forcément vous vous doutez bien quand vous montez ça, il y a toujours une petite surprise qui est pas prévue. Là en l'occurrence il faut meuler un petit peu ici parce que sinon quand vous remettez la suspension bah elle tape donc vous pouvez pas la serrer donc faut venir usiner et quand vous demandez à WISFAB ils vous disent oui c'est normal mais ils vous le disent pas avant donc c'est un petit peu chiant. Bon, ça se voit pas beaucoup mais il y a du jeu. Il fallait pas que ça touche. Voilà, ça touche pas. Il fait sa vie, lui. Hé, bon, rien, là. Faut pas se remonter tout seul, ça. Il en a rien à foutre. Oh. Comment on monte la voiture, là? Hé. Ça touche là avant. Tu me veilles, en plus. Il y en a des soucis. Hein. Bon, pendant qu'il fait ça, je mets en place le nouvel échangeur aéro. Parce que le gros souci des compresseurs, comme les turbos, c'est que ça chauffe. Donc cette année, on va plus mettre un tout petit truc à IB. Hein. Après un vrai échangeur aéro Edelbrock, comme la daronne de. Enfin bref, voilà. Dual pass. Mais du coup, faut refaire des supports. Donc, on fera des petits supports, des petits trucs. Genre ça bouge pas. En fait c'est une façade de radiateur. Genre là tu prends un mur, déjà tu pleures. T'as 1000 balles qui explosent. Donc voilà, après-midi construction. Après on verra si on a le temps d'attaquer le pedal box. En des petits diamètres, on va chercher le poids. Ça bouge pas pour autant. Et lui là, il est content. Il est content. Vous voulez voir ce que ça donne le WISFAB? C'est con, j'ai pas filmé avant. Bon alors là on est... Ah putain t'as mis la crémaillère dessus. C'est un peu plus dur. T'arrêtes pas sur l'autre côté. Trop tard. Il y a la butée. C'est pas trop mal, hein. Ça va être intéressant, je trouve. Bon, ça y est, après 4 jours, le train avant est fini. Si je vous lis. On a mis les plaques. Petites plaques de renfort au passage. Et là, ça fait un beau petit truc. La crémaillère neuve, tout neuf. Du coup, ça braque ou ça braque pas? Oh,
pas trop mal, je suis embuté dans quoi? Ah, il faut que je règle mon petit souci de roue qui touche. Ah, il y a même pas encore. Ouais, falloir venir faire un peu de place. C'est très flou ça. La mise au point est en train de lâcher. Là c'est au point. Là c'est au point. Bon. Bah ça y est, elle est finie. Voilà, démarrer là. Presque, non? Non, pas presque. Bon. Bonjour. Bon. Je devais filmer hier et avant-hier le moteur qui est quasiment fini d'assembler. J'allais faire la distri. Puis je vous laisse deviner que quand il y a ça là, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Il semblerait que la pompe à huile, donc on a les galets qui sont mis dessus, faut pas trop démonter plusieurs fois le galet tendeur de distri, parce que l'axe, enfin l'alu est venu direct. Genre c'est 30 newtons, il faut serrer à 20, il n'y avait plus rien. Donc là je suis en train de faire un micmac, les amis, mais c'est chiant. Donc je me suis dit bon allez, je vais leur filmer ça, hein. Mais sinon on en est là, donc les arbres, les pistons, tout est en place, les gros arbres sont montés, les beaux petits arbres Kelford, ils sont là. Le gros joint de culasse bien épais, il est là. Voilà, là on va continuer à fileter, puis on va voir si mon idée marche. Disons qu'il y en a qui renforcent leur bloc pour mettre des goujons plus gros, moi je renforce mon axe de tendeur d'ici. On va le voir comme ça plutôt. Ouais, et puis vu que c'est un petit peu important la distri, je préfère m'appliquer à essayer de faire ce bricolage. Paradoxal, hein, mais... Filetage, c'est bon. Maintenant, on va essayer de monter tout comme il faut. On verra ce que ça dit. Bon, ça semble sauvé. C'était ce galet-là. Faut faire gaffe que ça arrive bien. Quand même sur les petits endroits où ça doit pousser, et j'ai pu serrer à plus de 30 newtons, donc techniquement c'est bon. Voilà Hamza, si tu regardes ça, si tu montes ta pompe à huile avec ça et que tu veux faire un montage à blanc, ne serre pas celui-là, sinon après merci, au revoir. Bon, on va mettre la distri maintenant, on va essayer. Qu'est-ce que tu caradistouilles encore? Rien, je regarde comment c'est. C'est quand même un peu plus bas. Hein. C'est plus bas et il y a un plus gros échangeur dedans. Là, il y a un vrai échangeur. Ouais, on verra tout à l'heure ce que ça donne. Bon, du coup, on remonte tous les petits éléments à droite à gauche. Et petite pensée à farine de blé nationale, le joint en canette. Moi, je m'en sers pour tout ce qui est petits joints comme ça. Par contre, pour les joints de culasse, je vais te donner un petit truc si tu connais pas, mais ça se trouve que tu connais. Ça, Loctite 30-20. Ça, mon gars, c'est encore mieux que le joint en canette cuivré. On a le barbu national qui est venu. Et puis, voilà, on repoile tout, les capteurs d'arbres, les couves culasses, les pipes d'eau. Après, on va pouvoir commencer à essayer de maqueter ce petit bébé qui est là, juste ici, là. Coucou, toi. Bonjour, petite perruche. Je commence à regarder comment je vais devoir m'enculer la vie pour passer les courroies. Enfin, la courroie. Et l'eau, et l'huile, et tout ce qui traîne. Sachant que j'ai un tendeur en moins. Là, c'est compliqué, là, patron. Je me rappelle plus comment ça va, ça. C'est comme ça. Si, c'est ça. Je te dis que non. Comme ça, comme ça, comme ça.
Du coup, on avait dit que le 1er avril, la voiture serait roulante, les tests seraient en cours et tout. Bah là, on est comment? Là, on teste la courroie. Ouais. C'est des tests, pareil. Enfin, tu chipotes. Hein. Alors, pour le coup, la courroie est vraiment trop grande. On va vite faire que je mesure pour en commander à la bonne taille. Et je peux pas remettre mon petit tendeur maison. Enfin, je commande un tendeur. Le circuit d'eau. Après, l'admission, ça a l'air d'aller. Que celui-là qui va me faire chier. Du coup. Vois-tu? Bon. Yep. C'est le moment critique là. On est soudé sur la rampe d'injection. C'est pas bon. Hein. Bon, forcément, ce que vous venez de voir, c'est que c'était pas prévu, hein. Sinon c'est pas drôle. Donc la nouvelle cale est tip-top, y'a rien à dire. Seulement, elle n'était pas prévue pour aller avec ces injecteurs-là. Donc bah, je suis obligé de modifier les supports de mes rampes, parce que au-dessus de ça, vous avez la platine où vient se poser le compresseur, donc je peux plus avoir les longs nez comme j'avais avant. Seulement, la rampe est pas faite pour être aussi basse. Elle est faite pour être sur une voiture d'origine ou une pipe d'admission différente de celle-là. Donc je suis en train de ressouder des supports directement sur la rampe. Galère résolue. Bon. Les rampes, c'est bon. Allons voir les nouveaux problèmes. S'il n'y en a pas, c'est pas drôle. Hop. Pour poser la tasse à café, c'est nickel. On va prendre la nouvelle qui s'applique dans plein d'endroits. La chèvre. J'ai toujours peur que ça casse ces trucs-là ou que ça tombe. J'aime pas. Non. Là, je vais tirer. Je vais pas le faire. En fait, on vous a pas dit, c'est pour mettre dans le TDS. Comment ?